sommet de la commission ACP-UE. La délégation malgache au rapport. Une délégation parlementaire malgache a assisté au 37e sommet de la commission ACP-UE qui s'est tenu récemment à Bruxelles. Cette délégation a présenté aujourd'hui son rapport dans lequel elle a fait savoir qu'elle a sollicité la contribution de l'Union européenne au soutien à apporter aux Malgaches sinistrés des intempéries et de la famine. Herman Razafjavelu, vice-président de l'Assemblée nationale, nous apporte plus d'explications à ce sujet. Tout d'abord, je tiens à remercier vous au niveau de télévision MaTV et je tiens à remercier aussi la population malgache qui a le courage de suivre notre conversation d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on a assisté à la 37e session de l'Assemblée de la CP européenne. En résumé, les points qui ont été discutés lors de cette session, bien sûr, c'est une session concernant tout simplement une session au niveau des commissions. Comme nous le savons, au niveau de l'ACP, Union européenne, il y a trois commissions. Il y a la commission politique, la commission de développement économique, des finances et du commerce, et la commission sociale. Et Madagascar fait partie de la commission 2, c'est-à-dire la commission développement économique, finances et commerce. Donc, comme c'est une travaux, ce sont des travaux de commission, donc nous, là, pendant cette session, on est vraiment tenu à honorer notre commission au niveau de la commission 2. Ce qui a été discuté, bien sûr, comme nous le savons, Madagascar, maintenant, à partir de la session de Bruxelles-Strasbourg, nous avons été choisis pour être co-rapporteurs au niveau du mécanisme de mixage prédant, dont son honorable rapporteur général, Liao Soumalman, qui est le co-rapporteur, c'est-à-dire il a eu l'occasion de parler tout ce qui est mécanisme de mixage prêt-don.